Avec la mise à jour de la saison 2, il y a une nouvelle arme, la Tempus, et c'est littéralement l'équivalent de la DNR qu'on avait sur Warzone 1. 3-4 balles dans le corps, 2 balles dans la tête, l'arme elle est surpuissante. Moi comme d'habitude les gens, je vous retrouve à la fin de la vidéo pour la classe, c'était Kid Gounin et bon gameplay à vous. Ça va être compliqué à jouer là. Pas de plate ? Je l'ai pas entendu. Oui. Mais toi, Prose, comment va ? Prose l'épidote. C'est dans le bordel à récupérer ici, hein. T'es dans l'eau. Et le mec sur le toit. Si on a LCP, on est Gucci, mais ça va être compliqué à récup. C'est vraiment la pire zone. Bon, des fois, c'est abusé. Enfin, en vrai, là, je pense que l'entendait, hein. Je pense que là, j'ai juste été totalement sourd. Ouais bah... Va voir c'est mon Twitter si tu as pété un câble. On demande un survol de reconnaissance. Il y a un peu de monde quoi. Soldat ennemi en approche. J'aime pas s'il y a le sniper hein. Ça a pas l'air, hein. Bah, les gars, on n'aura pas le sniper, malheureusement, sur cette partie. On n'aura pas le bonheur. We don't have the bonheur with us in this game. English is very good, ok. Don't judge me. Dommage. Après, aussi, cet endroit-là, c'est vraiment 50-50. Hein. Soit tu l'as pas. Hein. C'est pas comme le camion, c'est simple à jouer. Là, vraiment, t'es dans l'eau, c'est horrible. En plus, les gunfights dans l'eau sont full buggés. C'est pas lui quand il snipe. Attendez, il a un sniper, ça m'intéresse. Alors, il avait un sniper, mais pas le bon. Déçu. Ça spawn sur moi. Survol de reconnaissance.
La Tempus est fort, vraiment très très forte. Ouais, bah il est au niveau des caisses de l'arc-en-ciel de balles. Le nombre de balles que je loupe. J'ai besoin de ton calibre. Hein ? Quoi ? Il faut combien de balles toi ? T'es totalement un malade. J'ai un truc dans l'œil. Putain, j'ai un truc dans l'œil, sa mère, je vais péter mon crâne. Ah. Pire sensation, ça, hein. Ah, je vais hurler. Et c'est bon. C'est parti. On va prendre la prime, on va prendre l'hélicoptère, on va se tailler. Hop. Ok. Voilà l'appartement. Balles, c'est tout ce qu'il faut. Mais il n'y a pas de son dans ce jeu, par contre. Ah là. Ah. Par contre, la porte qui s'ouvre et qui fait pas un bruit, ça me choque. Ah mais attends. Y'a vraiment pas eu un bruit de porte, hein. Ah, putain, le timing! Récupérer nos armes. Y'a un mec sur la plage. Le drone n'a plus de carburant. Oh
Oh, il a AFK. Oh oui. Ça, je dis oui, hein. La nouvelle arme est comment ? Très forte. Très forte si ce n'est trop forte. Plus que 10. Maintenez la pression. J'ai été nul. Cible marquée. Envoyez un soutien aérien. Reçu. Phoenix 2-3 en approche. Monte. Principal atteint. Bon travail. Ils sont entretenus là-bas? Ok. Eh ben écoutez, petite 36, je crois. Écoutez, bonne game en tout cas avec la DMR, hein. DMR 2.0 là. Ça cogne très fort en tout cas, 2-3 balles pour tuer. À part quand t'as quelques bullshit, on va dire 4-5 grand max. Mais si jamais t'as un minimum de shoot, hein, c'est l'arme qu'il faut jouer. Et re les gens, un très très gros top 1 avec la Tempus. Et du coup, voici la classe. J'ai pris la classe de Jowo pour cette vidéo. Et vous l'avez vu, les dégâts sont très très bons. La vitesse de visée est un peu lente, mais ça fait le taf. Mais vis-à-vis des dégâts, c'est une dinguerie. Le seul défaut, c'est un peu la cadence qui est moins bonne qu'une DMR, mais ça fait quand même largement le café. Évidemment, si jamais vous kiffez la classe, mettez un petit pouce bleu, un commentaire et abonnez-vous. Et moi, les gars, je vous retrouve pour une prochaine vidéo. C'était Kigunin et portez-vous bien.